Et puis en 2017, j'ai changé de mission et je suis arrivée dans une unité de recherche. Et la première mission qu'on m'a confiée, c'était en fait de finaliser le développement d'une mangeoire électronique. Le besoin avait émergé en 2005 et puis moi, quand je suis arrivée en 2017, ils ont aidé à essayer de finaliser le prototype. Donc moi, j'ai fait toute cette partie-là de travailler avec les scientifiques sur l'algorithme de calcul, mais surtout aussi de travailler avec les techniciens sur l'ergonomie, la mise en conformité et en fait l'industrialisation du prototype que les gars de l'atelier avaient mis au point. Donc là, c'était une formidable opportunité aussi pour cette fois-ci associer des techniciens et des ingénieurs d'une autre unité, donc l'unité de recherche dans laquelle j'étais. Donc on a fait cet article sur la mangeoire en parlant d'avant et après, puisque c'était quand même une réelle innovation. Avant, pour mesurer la consommation alimentaire et la croissance des animaux, on était obligé de les mettre en cage individuelle avec des données discontinues, des animaux élevés dans des conditions quand même pas tout à fait adaptées à leur comportement naturel. Et avec cette mangeoire, on pouvait avoir des données continues, des animaux qui vivaient au sol, en groupe et en conditions réelles. Donc voilà à quoi ressemblait notre mangeoire, à quoi elle ressemble aujourd'hui d'ailleurs. Et puis, en termes de puissance de données, on se retrouvait avec énormément de données par seconde et par animal, et un gros travail de mise en travail sur l'algorithme en fait pour traiter l'ensemble de ces données par accès et par seconde. Alors, le fait de publier dans Novae, en fait, ça a été déjà la première idée parce qu'il fallait déjà au moins publier le concept, le prototype, le concept de mangeoire électronique et cette innovation pour la faire connaître. Cette publication a été bien sûr associée à de nombreuses publications scientifiques hein, qui permettaient de valoriser les résultats obtenus grâce à cette mangeoire. Et en fait, grâce à la publication dans les cahiers des techniques, je me suis aperçue qu'effectivement les publications sortaient largement d'INRAE, puisqu'en fait j'ai été contactée par plusieurs entreprises privées qui, spécialistes de l'alimentation, étaient vraiment intéressées par cette innovation. Alors au départ pour nous l'acheter, mais comme bon, par rapport au droit informatique c'est assez compliqué, on pouvait vendre la structure, l'équipement en tant que tel, mais comme ce qui est surtout important c'est l'intelligence artificielle qu'il y a derrière. C'était plus compliqué, donc, mais ce qui nous permet quand même d'avoir développé des collaborations avec ces entreprises-là qui viennent chez nous maintenant pour utiliser cette mangeoire électronique et justement avoir accès à de nouveaux caractères puisqu'on peut maintenant faire des tests de préférence alimentaire, de comportement alimentaire et d'efficacité alimentaire en continu. Voilà, et comme j'ai trouvé la revue extrêmement bien, je poursuis cette année en coordonnant un numéro spécial, pas que sur le bien-être animal, mais sur le bien-être animal en expérimentation. Donc, pour mettre en avant justement toutes les innovations qui existent dans nos dispositifs et qui permettent d'améliorer le bien-être animal, mais en conditions expérimentales. Merci à tous. Merci. Ça fait une bonne transition avec Michel Tixier-Brochard qui a coordonné un numéro spécial sur les ressources satelliques. J'ai perdu mon thé. Merci. C'est Michel. En effet, je vais vous raconter un peu cette aventure, hein, comme tu disais tout à l'heure, un numéro spécial. RAR, c'est une infrastructure qui est inscrite sur la feuille de route nationale, une infrastructure qui rassemble des centres de ressources biologiques. Alors la première question, c'est qu'est-ce qu'un centre de ressources biologiques, un CRB, bon, je ne vais pas faire le sondage dans la salle, et qu'est-ce qu'un méta-réseau de CRB, quand en plus on en a plus d'une trentaine.
mais ça donne quand même une infrastructure qui est inscrite sur la feuille de route nationale des infrastructures de recherche, donc c'est visible en principe, avec des compétences et des techniques assez diversifiées. Donc on a établi un plan de communication pour être connu, les différents outils, différents objectifs, différents publics, et finalement, on a identifié des messages à faire passer auprès d'un public assez diversifié. Donc tout d'abord, on travaille sur tous les... Parce que j'ai pas l'image, elle est plus grande, mais c'est pas grave. Hein. Les messages à passer, c'est que d'abord, l'infrastructure, elle couvre tous les domaines du vivant. Oui, c'est celle d'après. Et donc, comme on a tous les domaines du vivant, on a un lectorat très diversifié, puisqu'on travaille sur des plantes, des animaux, des micro-organismes, des échantillons de sol. Donc, un public, finalement, potentiellement très large. Et on a une approche par processus métier, tout à fait selon la philosophie du management de la qualité, puisque quel que soit le domaine du vivant qui est travaillé, on l'aborde de la même façon dans un CRV avec des processus de base, donc l'entrée en collection d'échantillons, la conservation, la caractérisation et la gestion des données qui vont avec, et la distribution, puisqu'en fait on gère des ressources biologiques aussi pour les partager. Et on a aussi donc des processus dits support, hein, comme dans un langage qualité, avec justement le management de la qualité des CRV, la conformité à certaines réglementations compliquées comme l'APA, accès et partage des avantages, pour les ressources génétiques, aussi comment valoriser le travail qui est fait, et aussi des points communs sur les systèmes d'information. Alors finalement, pourquoi avoir fait un numéro spécial? Alors d'abord, c'était une suggestion de Michel, parce que je pense que si tu ne nous avais pas parlé, on n'y aurait sans doute pas pensé. Parce qu'on ne connaissait pas de près, on n'avait pas suivi, même le, j'ose dire, hein, tant pis, j'ose dire que la mutation de qualité technique à Novae, ce n'était pas vraiment dans notre préoccupation quotidienne à Rare, donc on n'avait pas trop réalisé. Et donc quand tu nous en as parlé, on a découvert finalement que c'était un support assez idéal pour nos messages qui étaient finalement un peu multidimensionnels, différents types de vecteurs, différents types de technologies. Et que c'était finalement un endroit idéal pour partager nos savoir-faire. Il y a quand même un petit peu de savoir scientifique, puisqu'il y a des collègues qui ont décrit des méthodes, avec des aspects de protocole, mais aussi des justifications sur des mécanismes cellulaires un peu pointus. Et pour concevoir ce numéro spécial, on s'est dit, finalement, on va croiser les domaines et les processus. Et c'est comme ça qu'on a fait le plan. Donc c'était relativement facile pour faire le plan. Donc ici vous avez les quatre processus et dans les petites icônes. Et donc on a cinq piliers avec chacun son petit logo là qui est regroupé dans l'ensemble de l'AgroBRC. Et donc ça c'est la plante, le micro-organisme en bleu, la patte de l'animal sur fond rouge, les sols en marron et la forêt. Voilà, le vert n'est pas très vert. Alors donc, pour chaque chapitre correspondait à un processus métier, on a sollicité des exemples, des articles venant de tous les domaines possibles. Alors avec des succès variés, par exemple, tous les microbiens étaient très très forts en caractérisation, mais après, sinon, il a fait un article par processus. Nous, l'animal, on a fait un chacun. Voilà, comme ça, on était sur des quatre, mais il y avait un exemple chaque chapitre. Bon, le pilier plante, il y a beaucoup de CRV végétaux avec une forte activité de conservation, donc trois exemples. Mais on a fait attention à illustrer les différents domaines dans les différents processus. Et donc, comme ça, on a eu 25 articles. Et c'est celui-là. Tu veux passer après ? Oui. Alors, finalement, la réalisation. Bon, l'idée, c'était fin 2020. Hein. Ce n'était pas la période très, très facile, si vous vous en souvenez. Donc, le comité de pilotage, il s'est appuyé sur le groupe transversal communication de l'infrastructure et des animateurs de piliers pour solliciter des auteurs. Là, ça a été une phase, hein, on est passé par des phases un peu difficiles, à un moment, ils ne répondaient pas à des auteurs. Donc, il a fallu que les animateurs de piliers soient un peu contraignants. Hein, parce qu'à un moment, les gens, l'activité reprenait en 2021, plus ou moins, c'était encore compliqué, donc rédiger un article pour Novae, bon, c'était pas encore sur le sujet, le top de la pile.
Mais on y est arrivé, on l'a fait ensemble. Donc la rédaction, la relecture, finalement, ça a duré jusqu'en 2022. L'assemblage pendant 2022, la publication pour Noël 2022. Et on l'a diffusé avec les vœux en janvier 2023. Donc finalement, on est tombé bien. Alors il y avait un petit financement complémentaire qu'on a pu mobiliser grâce à une dotation qu'on obtenait jusqu'à maintenant, qu'on a encore l'an prochain, une dotation SOER, donc système d'observation et d'expérimentation pour la recherche en environnement, qui soutient l'infrastructure tous les ans, donc ça a financé le surcoût. Enfin, je ne connais pas tous les coûts, mais au moins ça a apporté plus de 4 000 euros. Alors la diffusion, alors on a hésité, imprimé, pas imprimé, il faut être moderne, etc. Oui, mais quand même, ça laisse quelque chose, le papier, donc on s'est lancé pour en imprimer 200 exemplaires. Et finalement, moi, il me reste 20, donc je pense que ça valait la peine de l'imprimer, avec 216 pages. Alors là, large diffusion à l'époque des vœux de janvier 2023, les ministères, Ibiza, les tutelles, Imraël, Sicira, IRD, et tout le réseau des CRD et de leurs partenaires. Et finalement, parfois, quand on veut se présenter, on s'incarne dans ce numéro papier, on montre, là, il est là d'ailleurs, il dit voilà tout ce qu'on fait, ça gagne beaucoup de temps. Hein, et comme ça, les gens peuvent comprendre assez vite l'ensemble des activités. Et c'est à la fois un document de référence en interne aussi, parce que les auteurs sont contents finalement de dire « Ah, mais ça, je l'ai mis dans le numéro spécial de Novaï. » Et c'est aussi une reconnaissance du métier, hein, comme ça a été dit, parce que ce sont des articles qui n'auraient pas fait l'objet d'une autre publication, parce que je ne voyais pas trop où le mettre. Et donc finalement, merci aux auteurs et à l'équipe Novaï, parce que je pense que ça a été une aventure très, très positive. On en garde un très bon souvenir, même si ça dépend un petit peu de travail, un petit peu de faire un effort. Hein. Donc merci Michel de nous avoir proposé de faire un numéro spécial, parce que c'est un fait marquant de notre communication qu'on a déclaré dans les faits marquants avec un tweet. Et c'est le jour où c'est sorti, c'est là où on a eu le plus de visites du site. Donc c'était un indicateur que des gens ont regardé et ont téléchargé. Voilà. Merci. Merci Michel. Carole, bonjour. Je te reconnais, c'est d'accord. On a eu deux types d'innovations sur le numéro, sur les ressources économiques. On a décalé la version numérique de la version papier, et ça c'est un truc qu'on refera, à mon avis, systématiquement pour le prochain numéro, parce que finalement ça permet de créer deux événements et puis de corriger une petite coquille qu'on n'avait pas vu. Et puis on a recyclé des anciens articles en fait, qui étaient dans le scope de ce numéro-là, donc des papiers qui avaient écrit, 3 ans, etc. On a demandé aux auteurs, toujours écrire un petit peu, parce que ça a changé, etc. Et finalement, ça permet aussi de revaloriser aussi, ce corpus d'articles. Deux sous-innovations qu'on a aussi essayé de combiner. Carole, je te laisse la parole sur ton rôle en tant que présidente de centre. Oui, merci Michel. C'est bon, tu as rencontré Pascal, non? Vous avez pu discuter? Oui, on s'est rencontrés dans le train, en fait, ce matin. Donc, du coup, Carole Delaveau, donc je me présente, je travaille sur le site de paix du centre Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes au sein de l'unité mixte de recherche sur les herbivores. Donc, ça fait maintenant 10 ans que je suis correspondante ou référente pour le centre de Clermont. J'ai rempli cette mission au départ avec Robert Falsimagne pendant de nombreuses années. Il est maintenant à la retraite depuis 2 ans. Mais nous avons toujours travaillé ensemble pour la mise en place des supports de communication que nous avions à réaliser au niveau de notre centre. Donc j'ai préparé ce témoignage autour de 3 mots-clés en fait, qui sont pour notre rôle la promotion, l'accompagnement et enfin la suggestion. Donc promouvoir, donc quand donc lors de réunions de DU, donc pour les DU c'est les sensibiliser à l'importance de la valorisation par leurs agents des savoir-faire qui sont mis en place au sein de leurs unités de recherche. Et donc ça passe aussi par l'acceptation de dégagement de temps pour des agents pour lesquels ce n'est pas forcément le cœur de métier que de rédiger. Donc ça a été aussi donc promouvoir quand lors de l'accueil des nouveaux,
Donc, à cette occasion, on présente le contenu de la revue, sa structure, son mode de fonctionnement, son mode de diffusion, ainsi que le site web, en fait. C'est aussi à travers les gazettes de centre. Donc là, par exemple, lors de la sortie du numéro spécial Sciences et Recherches Participatives en 2021, donc là, c'est un article de 2022, à gauche, là, qui permettait de mettre en évidence aussi le nouveau logo Novae, la transition cahier des techniques Novae qui restait encore assez récente. Sur la partie droite, c'est Caramel, donc c'est une gazette mail qui est diffusée de façon mensuelle au niveau de notre centre. Et là, donc, c'était l'annonce des 40 ans de Novae, ainsi qu'un appel pour solliciter les agents pour répondre au questionnaire de satisfaction qui avait été envoyé. Donc ça, c'est pour illustrer un petit peu quelles peuvent être nos actions de communication au niveau du centre. Donc avec Robert, nous avions également fait de l'affichage à l'origine avec un flyer que nous avions conçu ensemble et affiché au niveau des différentes unités du centre, ainsi qu'on l'avait envoyé également aux directions d'unités de recherche distantes à Lyon, Thonon-les-Bains, Grenoble à l'époque. Donc là, c'était le cahier des techniques. Et donc là, je l'ai remis à jour avec Novae et c'est un flyer que je distribue en général lors de la journée des nouveaux. Donc voilà pour l'aspect promouvoir. Donc le deuxième mot-clé, c'est accompagner. Donc accompagner, c'est donner les ressources nécessaires aux auteurs pour leur permettre de réaliser leurs articles. Donc là, comment ? Eh bien, on leur fournit des instructions aux auteurs, on les met en lien avec le comité de rédaction, avec Michel, et on peut aussi leur proposer des ateliers d'écriture. Donc depuis 2014, au niveau du centre de Clermont, on a mis en place quatre formations d'ateliers d'écriture. Donc on avait travaillé avec la formation permanente locale en lien avec la formation permanente nationale. Et donc c'est Science Impact et, qui a répondu et qui a réalisé une formation ad hoc hein, pour la revue et Ouda vous présentera après sa formation. Donc voilà, et aussi donc, il a fallu communiquer pour ces ateliers d'écriture. Là c'est un exemple d'article aussi dans La Traverse en juillet 2016 pour solliciter les agents et les informer de ces formations existantes et à venir, donc pour les inciter à s'inscrire. Donc enfin, j'ai été aussi en charge d'une page sur le site de la revue pour annoncer les formations au niveau national. Donc là, c'est la dernière en présentiel en date qui a eu lieu à Bordeaux. Donc ça permettait aussi sur le site pour les lecteurs d'être informés des différentes formations aux ateliers d'écriture au niveau national. Donc voilà, et pour terminer, donc le dernier mot-clé c'est suggérer. Donc là, l'idée c'est de saisir toutes les opportunités pour inciter à la publication dans Novae lors de rencontres d'écoles techniques, de réseaux métiers, etc. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Je ne suis pas toute seule référente dans la salle, donc si vous avez des compléments, n'hésitez pas. Voilà. Merci. C'est effectivement un rôle vraiment fondamental, historique, on l'a vu, et fondamental des correspondants au centre. Alors c'est vrai, pour être honnête, il y a des trous dans la raquette actuellement. Tous les centres, malheureusement, n'ont pas forcément un correspondant au centre. Même Jérémy Lidia, c'est seulement avoir deux, parce que c'est plus simple d'échanger, parce que d'être en binôme. Donc je fais un peu un appel à Nathalie pour que... Elle sensibilise ses compagnons, camarades de classe, présidents de centre, pour que diffuser un peu cette culture des correspondants de centre de la revue aussi. Je pense que c'est évident qu'il y a un effort à faire dessus. Bon, c'est pas si facile que ça. Et puis après, vous-même, vous représentez aussi une diversité hein, pour ceux qui ne sont pas correspondants de centre. Et si le job vous intéresse, n'hésitez pas. Et sinon, ton exposé, tu as le lien parfait, je pense, avec le topo.
une dame et qui n'a pas de PowerPoint, qui n'a pas de système absolument connu. J'y vais à Manu. On va faire quelque chose avec ce que vous normalement, il fonctionne. D'accord. Allô, allô. Est-ce qu'on a besoin finalement, est-ce que ma voix ne porte pas assez danse de toute façon. Le micro s'est lâché. Bon bah je vais essayer de parler fort. Non, je pense que c'est lâché. On peut venir derrière. Ça marche. Donc, je m'appelle Ouda Abraham et je dirige une mini-structure de formation. Je dis mini, je pèse mes mots parce qu'on est en tout trois intervenants. Science Impact qui est spécialisée dans la communication scientifique et technique. C'est-à-dire que nous accompagnons les chercheurs, les ingénieurs, parfois les techniciens, dans leur communication vers leurs différents publics, les MECO. C'est toi qui joues avec nous. Non, c'est bien. Pour nous, c'est bon. Je disais donc nous accompagnons les scientifiques à communiquer vers leurs différents publics. Alors, ça peut aller de l'article scientifique pour une revue à comité d'étude en anglais, jusqu'à l'article de vulgarisation ou l'article de transfert, en passant par les rapports d'études, les rapports d'expertise, voilà, tout ça. Alors, Science Impact, si ça vous rappelle quelque chose, je tiens à souligner quand même que j'étais là la première. Il y a 40 ans ? Non, par rapport à Science Impact. Science et Impact, ça vous rappelle des choses. Et donc, en quoi consiste mon métier ? Alors, atelier de rédaction, on n'apprend pas aux gens à écrire. Hein. Nous travaillons essentiellement avec des chercheurs et des ingénieurs. Ils savent très très bien écrire, les techniciens aussi d'ailleurs. L'essentiel de notre travail porte sur réfléchir, penser sa communication avant de se lancer, se précipiter sur son ordinateur pour écrire, prendre le temps de se poser et de réfléchir. Prendre du recul, même les rédacteurs les plus chevronnés oublient de le faire, ça. Ils fonctionnent en mode automatique et ne prennent pas le temps de se poser les bonnes questions que nous connaissons tous, et qui, quoi, pourquoi, tout ça. Mettre de l'ordre dans ses idées aussi, c'est très très important. Alors Pascal en parlait tout à l'heure, la carte mentale, écrire un pitch, etc. Il y a un gros travail, en général, dans un atelier, si c'est sur 2 jours, il y a un jour où on parle que de construction du discours, avant de commencer à écrire vraiment. Et puis après, une fois que ça s'est posé, on peut passer à la rédaction à proprement parler. Il faut d'abord poser les fondations avant de monter les murs, ça tombe sous le sens. Alors je n'ai pas de chiffres, je n'ai pas de PowerPoint, je n'ai pas non plus de chiffres à vous livrer. Bien que j'intervienne pour l'atelier des cahiers des techniques depuis une dizaine d'années, un peu plus même, depuis 2014 sur le centre d'Avignon, ça a commencé, mais j'étais déjà là pour les premiers ateliers en 2005 et 2006 avec Marie Huet, peut-être que certains d'entre vous connaissent, qui était secrétaire d'édition à l'époque. Mais à l'époque, j'étais encore apprentie formatrice, donc j'étais dans la co-animation et l'accompagnement individuel plus que dans l'animation de l'atelier. Donc je disais, poser les fondations avant de monter les murs, et donc je n'ai pas de chiffres et je n'ai pas de PowerPoint, mais une petite histoire que je suis certaine, beaucoup d'entre vous connaissent. L'histoire des tailleurs de pierre, ça vous dit quelque chose ? Alors pour les autres, l'histoire dit que, au XIIe siècle, un voyageur qui entre à Paris, pour visiter la ville, et puis il déambule un peu dans les rues, et il entend un bruit assourdissant, des bruits très forts, on dirait qu'on est en train de démolir un bâtiment. Donc il suit le bruit, et il arrive sur un chantier. Et là, il voit des hommes, des tailleurs de pierre, en train de tailler des pierres. Alors il s'approche de l'un d'eux, et lui demande, mais bonjour monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Le type, il est ruisselant de sueur, il est épuisé, il n'avait pas envie de faire causette.
Donc il répond avec agacement, je suis tailleur de pierre, vous voyez bien, je taille des pierres. Bon, notre homme, pas découragé pour un sou, va voir quelqu'un d'autre, un autre qui a l'air un peu plus avenant, et lui pose la même question. Et le deuxième, qui est quand même un peu plus gentil, lui dit, je suis en train de tailler la pierre angulaire de l'arche de Noé. Ok, notre homme, il est très très curieux, il a envie d'en savoir plus. Donc il va aller voir un troisième tailleur de pierre et il lui demande, il pose la même question. Et cette fois, l'homme le regarde droit dans les yeux, lui affiche un grand sourire et il lui dit avec enthousiasme et des étoiles plein les yeux, moi monsieur, je construis une cathédrale. Et finalement, beaucoup du travail que je fais en formation, c'est de faire prendre conscience aux personnes qui sont là, et ça je l'ai vécu beaucoup, surtout dans les premiers ateliers de qualité technique, c'est de leur faire prendre conscience qu'ils ne font pas que tailler des pierres. Ils participent à construire une cathédrale. La cathédrale, on cherche une raie, et encore plus que ça. Et j'aime à penser que je participe un petit peu. Merci de m'avoir écouté.